Juste avant de commencer la vidéo, j'aimerais tout simplement vous présenter un tout nouveau produit de mon partenaire, ok? Du coup, ok, mais tout simplement envoyer ce produit-là, du coup, comme vous l'avez tout simplement deviné, c'est simplement une souris RGB, voilà, RGB Gaming, pour tous les gens, voilà, du coup, petit focus. Voilà, en fait, c'est simplement une souris RGB de mon partenaire, ok? Du coup, vraiment, je le remercie vraiment du fond du cœur. Du coup, on va tout simplement voir ce qu'il y a derrière la souris, du coup, vous avez tout simplement les manuels, voilà, la souris, tout ce qu'il peut faire, etc. Du coup, on va tout simplement l'ouvrir. Voilà, du coup, je viens juste simplement juste de tout ouvrir. Du coup, à l'intérieur, vous avez tout simplement la clé de garantie et de OK. Voilà, une garantie de 2 ans, encore une fois. Là, vous avez tout simplement le manuel qui vous explique comment changer de LED, etc., etc. Vous avez tout simplement tout ce qui est important d'écrire dessus. Du coup, on va tout simplement parler de la souris. Du coup, la souris se présente comme ça. Du coup, vous pouvez voir tout simplement qu'il y a encore un deuxième plastique ici. Du coup, on va simplement attendre le débit de la souris. Alors vraiment, moi je trouve vraiment la souris, elle est quand même super légère. Vraiment, elle bouge vraiment pas mal. Du coup, je vais simplement la brancher à mon ordinateur et je vous dis simplement, une fois la souris allumée. Du coup, voilà ce qu'elle donne une fois la souris allumée. Du coup, vous avez tout simplement ici les deux petits boutons tout simplement pour changer de couleur. Exemple, on appuie là. En plus, vous avez tout simplement l'application, c'est qui est tout simplement fournie. Sur le PC, voilà, pour tous les gens qui essaient de changer de couleur, mettre leur couleur, et voilà, tout simplement, la souris, elle est vraiment super légère. En plus, on peut tout simplement mettre son petit repos comme ça. Voilà, moi, je dis simplement pour les games Fortnite, je pense que cette souris est faite pour vous, si vous jouez beaucoup à Fortnite, voilà, cette souris, elle est vraiment pas mal. Vous êtes simplement retrouvé le produit en description pour tous les gens qui souhaitent le commander. En plus, la livraison, elle est super rapide. La livraison, c'est fait via Amazon, voilà, pour tous les gens qui souhaitent l'acheter. Elle est vraiment super belle, voilà, pour changer de couleur, vous appuyez ici. Là, vous avez simplement différentes couleurs. Si vous voulez, exemple, mettre RGB, vous appuyez longtemps, etc. Mais en fait, vous avez simplement le manuel qui vous explique comment utiliser, etc. Du coup, vous allez simplement retrouver la souris en description pour tous les gens qui souhaitent le commander. Du coup, elle coûte vraiment pas très cher. C'est pour ça, vraiment, c'est une bonne souris rapport qualité-prix. Du coup, voilà, j'ai fait un texte. Je dis simplement bonne vidéo à tous. Allez, ciao. Tu as 5 secondes pour t'abonner à ma chaîne YouTube et peut-être demain, tu auras le skinny. Ok, bien salut tout le monde, c'est Fintex, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais vraiment super bien. Comme d'habitude, si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification. Cela me fait vraiment super plaisir. N'oubliez surtout pas de lâcher un petit pouce bleu, cela me soutient vraiment énormément. Si vous lâchez un petit pouce bleu, le plus important, c'est de me soutenir avec mon petit code créateur dans la boutique Fortnite. Du coup, vraiment, spam un maximum mon code créateur dans la boutique Fortnite pour que c'est vraiment l'étape ultime du glitch, c'est vraiment très important. Du coup, aujourd'hui, on se simplement un bug, comment obtenir 50 000 V-Bucks gratuitement. Du coup, première étape du glitch, vous êtes simplement entré mon code créateur dans la boutique Fortnite, vous allez accepter. Du coup, après, vous allez vous rediriger à l'accueil, vous allez faire un retour. Dans faire un retour, vous allez cocher la case commentaire et vous allez écrire exactement la même chose que moi. Bug 98, c'est très important d'écrire cela. Après, vous allez envoyer votre message, vous allez confirmer votre message. Après, vous allez choisir le mode de jeu. Vous allez attendre le chargement. Là, vous allez cliquer sur le mode créatif. Arrivé dans le mode créatif, ce que vous allez faire, vous allez refaire ça. Vous allez faire un retour. Dans faire un retour, vous allez cocher la case commentaire. Cette fois-ci, vous n'allez rien écrire. Après, vous allez vous diriger dans les paramètres. Vous allez recevoir des quêtes d'opinion. Vous faites oui, non, oui, non. Donc, c'est très important de faire cela. Après, là, vous allez simplement vous mettre sur oui. Après, vous allez rechoisir le mode de jeu. Comme dans la vidéo, après vous allez cliquer sur le mode créatif et normalement vos bugs doivent apparaître d'ici demain ou soit après demain. Du coup, si vous n'avez pas bien compris, vous devez tout simplement mettre mon code créateur dans la boutique Fortnite, vous abonner à ma chaîne YouTube. Du coup, l'étape est vraiment hyper simple. Vous mettez mon code créateur et vous suivez tout ce que je dis dans la vidéo. C'était Fintex, j'espère que ce glitch vous a plu. N'hésitez surtout pas à commenter un maximum son idée PSN pour avoir une chance d'avoir des cadeaux gratuitement sur son compte Fortnite. C'était Fintex. Moi, je dis tout ciao, bonne game tout le monde, allez, bye. Abonne-toi, lâche un like, active la notif, man, active la petite cloche, mets ton pub au commentaire, yeah, yeah. Abonne-toi, lâche un like, active la notif, man, active la petite cloche, mets ton pub au commentaire. Abonne-toi, lâche un like, active la notif, man, active la petite cloche, mets ton pied.
suis beau commentaire.